Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque c'est la concrétisation de 2 ans de travaux préliminaires, de fabrication des matériels. Les équipes de RDF, de Socomec, de Saft et d'Alstom Grid sont réunies pour pouvoir se coordonner et mettre en service l'ensemble de stockage. Alors aujourd'hui, on met en œuvre la partie on-grid, donc la première étape du projet NESGRID. Et notamment, on est aujourd'hui ici pour vérifier que tout se passe bien en termes de communication entre le contrôleur d'héliotage, les batteries, les onduleurs, et pour faire les premiers tests de mise en charge et décharge des batteries. Globalement, ce qu'on a fait depuis maintenant à peu près 2 semaines, c'est l'interconnexion des 10 différents équipements, les équipements de contrôle-commande, les équipements de distribution et de protection des installations, les raccordements des réseaux de communication entre ces systèmes de contrôle-commande, la conversion d'énergie, mais aussi la batterie. Donc nous sommes en train de faire la validation complète de tous ces réseaux de communication et de procéder aux premiers essais de charge et de décharge. On met en place de multiples systèmes de conversion associés à une seule et unique batterie, ce qui nous permet en même temps de valider pour de futures installations ce qu'on appelle des architectures décentralisées, donc de localiser des convertisseurs à différents endroits d'un même quartier, d'un même site. Donc c'est cette partie qui aujourd'hui présente un vrai intérêt et qu'on va valider au cours de cette journée, la possibilité de piloter 4 systèmes de conversion avec une seule et unique batterie. Aujourd'hui, on est satisfait des tests. On a pu tester la connexion des onduleurs au réseau et faire des cycles de charge et de décharge. Donc c'est positif. À partir d'aujourd'hui, nous sommes capables de stocker l'électricité du réseau sous forme de batterie et décharger l'électricité de la batterie dans le réseau afin de pouvoir réaliser l'ensemble des applications du projet NESGRID, que ce soit l'intégration du photovoltaïque, la réduction de la puissance de pointe en hiver ou l'îlotage.